Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui à la gare de Louvain-la-Neuve. Nous allons tester aujourd'hui les bus à la demande. Qu'est-ce que les bus à la demande? C'est un projet organisé par la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve et par le TEC qui organise justement des bus où on peut aller d'un point A et à un point B simplement quand on veut. Tout simplement, on sort du train, nous prenons notre GSM et nous allons faire la demande de notre bus. Donc, nous allons choisir un point de départ, donc juste à côté de la gare de Louvain-la-Neuve. Nous sommes deux voyageurs puisque Mickaël est avec moi. Nous validons l'adresse et on va aller aujourd'hui jusque à la place des sports. Nous validons l'adresse. Il cherche le meilleur trajet itinéraire. Voilà, nous avons réservé notre voyage, donc nous devons être dans 6 minutes à l'endroit. Et c'est parti! Et donc voilà, nous allons vers notre arrêt de bus virtuel. Donc voilà, sur l'application, pour les gens qui ne sont pas doués avec l'orientation comme moi ou quand on arrive à un endroit qu'on ne connaît pas, tout simplement l'application nous montre jusque où on doit aller. Et donc nous voici à notre arrêt virtuel. Et donc le bus arrive logiquement dans une minute et nous allons pouvoir monter dans le bus. Bonjour. Voilà notre bus à la demande. Un grand merci à vous en tout cas. Au revoir. Et donc voilà, après quelques minutes, nous sommes arrivés à destination. Donc très rapide, un service impeccable puisqu'on a pu avoir le temps de discuter avec le chauffeur. Et donc ça fait 4 jours que ça fonctionne et il y a en moyenne une dizaine, quinzaine de personnes par jour qui utilisent ce service avec des temps d'attente, mais comme le chauffeur pouvait nous le dire, de 5 à 6 minutes à attendre son bus. Pour 2,10€ par trajet, on peut aller donc, comme je disais, d'un point A à un point B à la demande. Et donc, comme on a pu discuter avec le chauffeur, donc c'est vraiment en complément des lignes déjà existantes, puisque donc dans les heures de pointe ou sur certains trajets, c'est quand même plus intéressant d'avoir un bus où on peut transporter plus de personnes. Mais ici, c'est vraiment sur des heures creuses, sur des trajets bien spécifiques à certains endroits qui sont un peu moins accessibles, où nous pouvons aller plus facilement. Et donc, c'est aussi un complément des taxis, puisque un taxi, c'est beaucoup plus individuel et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ici, on est vraiment dans un service complémentaire à tous ces services qui sont les taxis et qui sont les transports en commun classiques. Et donc, voilà la fin de la vidéo. Et j'espère que ça vous donnera envie de venir à Louvain-la-Neuve tester ce nouveau service et en espérant que ce service puisse se développer dans d'autres villes ou villages de Wallonie. Pour cela, venez le tester. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet laurentevart.be.